Ici, la prochaine technique de transition qu'on voit, donc la troisième sur ce tableau, c'est le drop avec le switch et un drop out. Soit dit en passant, je t'ai montré à travailler tout ça comme une ligne, les fade-in avec fade-in, fade-out, fade-out, palier avec dead zone, palier, maintenant drop avec switch, drop. C'est la suite logique des choses, mais vois ça un petit peu comme un jeu de cartes. Tu pourrais mélanger tes couleurs, c'est-à-dire, tu pourrais décider de faire ton entrée par palier, ton transfert par un switch et ta sortie par un fade-out. Il n'y a rien qui oblige à toujours suivre cet ordre d'idées-là dans les lignes. Là. Ça, c'est pour le but de l'exercice ici. Puis aussi dans l'exercice, je voulais te dire qu'en ce moment, on travaille sans écouteurs. Puis je t'invite aussi à travailler comme ça par section, pas attendre une chanson puis mixer l'autre. Pratique ton exercice, donc prépare-toi des points Q comme j'ai fait ici. Et puis pratique ces exercices-là en boucle. Quand tu vas venir bon et à l'aise à faire ces transferts-là, mais maintenant, ensuite, tu pourras décider de te cuer dans les écouteurs, travailler bien la beatmatcher, puis construire ton mix, ensuite laisser jouer la pièce, en cuer une autre, puis faire essayer de te faire un petit DJ set là, comme ça, ok? Donc ici encore là, le but c'est de faire un exercice, c'est pour ça que je travaille directement dans les speakers, puis je suis allé cuer à gauche, vu que c'est le mix entrant, j'ai cué dans l'intro ici, puis ici je suis allé me faire une section que j'ai cuée à la fin dans la section outro pour simuler la réalité, ok? Donc on va y aller avec cette technique-là ici de drop, donc le drop, j'ai ma piste qui joue ici, puis quand que je vais arriver à ma fin de couplet, donc au 32, je vais appuyer play, puis je vais faire drop direct dans les speakers, donc ici à volume de 8. Quand tu vas appliquer cette technique-là avec tes écouteurs, mais tu vas appuyer play, puis au prochain drapeau, tu vas mettre ton pouce comme ça à 8, puis tu vas venir, boum, la dropper, ok, d'un coup sec, touc, ok. Lors de la transition, ben, tu vas attendre encore là, à l'autre prochain drapeau, ok, puis ici, ça va faire 5, 6, 7, 8, et le switch se fait ici sur le temps, regarde ça, 5, 6, 7, 8, switch. Donc, j'interchange mes deux. Lui est à 8, lui est à 10. En un temps, je vais interchanger, je vais amener lui à 8 et lui à 10. Boum! C'est un mouvement comme ça. Et ensuite, j'attends encore tout mon autre couplet. Et 5, 6, 7, 8 et boum! Sur le prochain temps 1, excuse-moi ici. Donc, c'est là que je vais venir faire mon drop out, comme ça. OK? Donc, on va y aller. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai drapé, c'est là qu'en fait j'aurais préparé dans mes écouteurs, j'aurais fait boum, un drop là juste en mettant mon pouce. Okay. Attention, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et switch. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire mon drapeau d'ici. 5, 6, 7, 8. Donc voilà pour cette technique-ci.